Good morgen, allez Yiden, tu seras aujourd'hui le Nishmat David Ben Fortuna Mazal Fritna, Dvorah Bat Esther et Eliaou Banish. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contactée à 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Nedarim, Perek He, Mishnah He. Eizehu davar shel ole bavel, kigon har abayit ve'azarot, ve'abor shebemtsa aderech. Eizehu davar shel otahir, kigon harechava ve'amerchatz, ubet haknesset ve'ateva ve'asfarim. La Kotev Chelko, l'Anassi, Rabbi Yehuda Omer, Echad Kotev l'Anassi, Echad Kotev l'Idiot. Ben Kotev l'Anassi, le Kotev l'Idiot. Chaque Kotev l'Anassi, un autre Zerich Lizkot, les Akot. Vachem Omerim, Echad Zeve, Echad Ze Tzrichim les Akot. Lo Dibrou Benassi, elle a Beauvé. Rabbi Yehuda Omer, En Anche Galil Tzrichim Nirtov, Shekvar Kadvu Avotehem, Al Yedehem. On continue la Mishnah précédente, à savoir, lorsqu'on s'est interdit mutuellement. Tous mes biens sont kherem pour toi, tous tes biens sont kherem pour moi, on ne se parle plus, on profite plus l'un de l'autre, on se voit, on change de trottoir, moi d'un côté, toi de l'autre. Froid total. Quels sont les biens publics desquels on a le droit de continuer à tirer profit? Quels sont les biens publics desquels on n'a plus le droit de tirer profit ensemble? C'est-à-dire, on avait expliqué dans la Mishnah précédente qu'il y a deux types de biens publics. Il y a des biens qui appartiennent à toute la ville. Si ça appartient à toute la ville, ça signifie que chaque habitant de la ville, il a une petite part dans la propriété de la chose. Ce qui va signifier que si toi tu vas en profiter, tu profites de moi. Ça, c'est les biens, certains biens publics. Et il y a d'autres biens publics qui appartiennent au monde entier. Donc, s'ils appartiennent au monde entier, c'est pas qu'ils appartiennent au monde entier, c'est qu'ils n'ont plus du tout de propriété. Tout dépend comment ça a été transmis au public, de quelle manière ça a été transmis au public. Quand on a défini depuis qui Yoshua ils sont entrés en Eretz Israël et qu'ils ont défini les choses où elles étaient. Ou finalement, il y a même eu encore d'autres possibilités, comme ce qu'on va voir dans la Mishnah. D'accord? C'est la question fondamentale. Et l'élément décisif, le paramètre décisif qui va permettre de trancher directement les choses, il est de savoir est-ce que le conseil de la ville a la possibilité de changer les choses. Si le conseil de la ville a la possibilité de changer le statut des choses, ça signifie que ces choses-là appartiennent à la ville. C'est pour ça qu'ils ont le droit de changer, les conseillers de la ville. Mais les choses que le conseil de la ville n'a, les chefs à tout ailleurs, n'a pas la possibilité de changer, ça signifie que ça appartient pas à la ville, ça appartient à l'univers entier. Donc ça appartient plus à personne. Je n'ai plus de propriété dedans. Si j'ai plus de propriété dedans, eh bien, tu peux tirer profit parce que tu ne profites pas de moi. C'est le principe général. Et maintenant, ce qu'on va voir, on va voir des exemples. Eizehu davar shel ole bavel. Qu'est-ce que l'on appelle les choses qui appartiennent au ole bavel, à ceux qui montent depuis Babel, ceux qui montaient au Beth Amikdash depuis Babel pour venir au Beth Amikdash. Ça signifie qu'ils ont un droit de propriété même sur Jérusalem. Ils habitent là-bas, en Irak, là-bas, là, à Babel, et ils viennent à Jérusalem. Ça leur prend 2 semaines, en fait, c'était fréquent à l'époque, d'ailleurs, à l'époque des Géonim, ils venaient après les fêtes. Ils venaient pendant les fêtes à Jérusalem, ça leur prenait 2 semaines, avec les caravanes, et les chevaux, et les chameaux. 2 semaines, ils arrivaient ici. Ça, c'est les Olé Babel. Quand ils arrivent ici, il y a des choses qu'on ne peut pas leur se promettre. On ne peut pas leur dire, hey, vous n'êtes pas chez vous. Ils vont nous dire, ça appartient au monde entier, c'est à moi. Quelles sont ces choses-là qui appartiennent aux Olé Babel? Kegon Harabait. Tout d'abord, Harabait. En bon français, le mont du temple. Ça appartient. Et Azaroth aussi là-bas, tout ce qui est là-bas, tout ce qui appartient au Beth Amikdash, ça appartient à l'univers entier. Et à la différence, entre parenthèses, apparemment, je ne sais pas moi, de Yerushalayim. Je sais pas, Yerushalayim c'est délicat parce que Yerushalayim l'on nitra le Kadesh Batim. Je ne vais pas m'engager, je parle pas. J'avance. D'accord? Ce qui appartient donc à Arabaït, Lazarot, je ne sais pas pourquoi on n'a pas parlé même aussi d'Yerushalayim, peut-être parce qu'en fait ça dépend d'une marloquette. On va pas ouvrir le sujet. Ve'abor shebemtsa aderech, figurez-vous, regardez ça. Même le public qui est au milieu du chemin. Soit. Faut bien vivre avec la réalité de l'époque. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que c'était quand il n'y avait pas l'eau courante dans les robinets. Comment trouver de l'eau surtout en Israël? Très rapidement, on a chaud. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de partir nulle part sans avoir soif au bout d'une heure. Tu peux amener ta gourde, tu peux amener même si tu veux un container, mais tu finiras par l'épuiser. Concrètement, on trouvait l'eau? En fait, il y avait comme ça plein de gens, des fois c'était le public lui-même qui creusait. Il y avait même aussi des gens de tzadikim qui creusaient des puits fréquemment. On avait tous les X temps. Si vous allez promener dans les vieux quartiers du Rochalaim, de Nachalaot, Sharei Chesed, tout ça, il reste encore, bon, ils ont bouché pour ne pas que les gens tombent dedans. Mais il y avait plein de puits. On creusait des fois, à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, on finissait par trouver de l'eau. Il y avait comme ça des puits. Des puits, tous les X mètres, tous les 100 mètres, un puits supplémentaire. Et il y avait des puits, alors il y avait des puits qui appartenaient spécialement au quartier.
Il y avait des puits qu'on mettait Behem Tsaderer, qu'on les mettait à proximité de la route, pour les Ovre Drachim, pour ceux qui passent sur le chemin. Ces puits-là, ils ont été transmis pour le monde entier. Ils n'appartiennent pas aux habitants de la ville, ils appartiennent au monde entier. On ne peut pas décider de les fermer, d'en faire autre chose. Peut-être que parfois, si c'est pour un intérêt public, de nouveau, on peut peut-être le changer, le supprimer avec un autre. Je ne dis pas, mais en tout cas, on ne peut pas transformer que maintenant on va décider que finalement ça va devenir la propriété de Réhouven. Ça appartient au public, ça va être la propriété de Réhouven. Ok? Ça, on a expliqué qu'est-ce qui appartient au Olé Bavel, à la différence de Vezéhou Davar Shelotahir, qu'est-ce qui appartient aux habitants de la ville spécifiquement. Alors, Kigon Harichava, comme par exemple la grande esplanade devant la synagogue, devant la guina, devant le jardin public, ou ouais, ou là-bas, c'est des choses de nouveau que les Touvahir peuvent décider, va Merhat, le bain public, ou Bet HaKnesset, même la synagogue elle-même, Vea Teva, ou bien le Echal, la Teva, c'est le, ouais, la Teva, c'est le boîtier, ou ce qu'on appelle la Teva. Aujourd'hui, je crois qu'on a changé les noms, qu'on appelle la Teva, spécifiquement, on appelle la Teva et le Aaron. Je crois que la Teva, à l'époque, c'était là où on rangeait le Sefer Torah, ce qu'on appelle nous le Aaron. Aaron Kodesh, l'arche, on met le Sefer Torah. Il me semble que c'est ça la Teva. C'est pas qu'il me semble, je suis même sûr presque. Que. Ouais. D'accord. Vea Teva, Vea Sfarim aussi, les livres aussi, le Sefer Torah. Imaginez maintenant que ça appartient à la ville. Ça signifie que maintenant, on a prononcé un éder, tu profites plus de moi, et il y a quelqu'un qui lit la Kriyat HaTorah, pas dans la synagogue, parce qu'il avait ordonné de les pieds dans la synagogue. Ils ont pris le Sefer Torah pour aller dans une pièce, dans un endroit, dans la voie publique, pour lire le Sefer Torah à voix haute. Est-ce que maintenant l'autre, il a le droit d'écouter? Alors il a un problème. Parce que le Sefer Torah, il appartient aux habitants de la ville. Donc il appartient de nous, il profite de moi. D'accord? Sans entrer dans la question, est-ce que Mizotlé, notre nous, ça touche, tout ce que je vous dis, ça touche à plein de problèmes qu'on pourrait transformer le chiour de 10 minutes à peu près en chiour de 1 heure et il y aura encore de quoi rajouter dessus. Mais voilà le principe. Maintenant, la Mishnah, elle prend un tournant un peu flou. On va lire un petit bout, après je vous explique de quoi ça parle. Ve'akotev chelkon le nasi. Et celui qui écrit sa part au nasi, le nasi c'est le dirigeant, c'est le président, c'est le prince, c'est celui qui dirige le peuple. D'accord? Comment dire, le guide spirituel. Le sel nasi. De quoi il me parle? Avakotev chelkon nasi. Il écrit sa part au nasi. C'est quoi cette histoire? On ne comprend pas pour le moment. Et on avance un petit peu. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda va me dire, Echad kotev le nasi, ve echad kotev le idiot. Non, on peut parler même de quelqu'un qui écrit au guide, au dirigeant. Ou soit celui qui écrit, ou bien celui qui écrit un idiot à une personne simple. Bon, allez, j'arrête de vous faire cuire et je vous raconte un petit peu de quoi ça parle, c'est très simple. On a dit que maintenant on va apporter une solution. Je vous ai dit, Kherem, vous ne touchez pas de chez moi. Vous ne profitez plus rien de chez moi. Or, la synagogue, elle j'ai une part dans la synagogue. Donc comment vous allez pouvoir entrer à la synagogue pour aller faire la tefila? Comment vous allez pouvoir écouter la Kriyat HaTorah? Comment vous allez pouvoir faire toutes sortes de choses? Comment on va faire pour vivre? Eh bien, la solution qu'on a, hein, on a une solution très simple, en fait, c'est que je vais donner ma part. En théorie, je dois donner ma part à quelqu'un. Comme ça, quand je donne ma part à quelqu'un, c'est plus à moi, donc tu as le droit d'en tirer profit. Maintenant, à qui je vais donner? Alors là, c'est là où ça devient un petit peu délicat. Mon problème, il est que si je vais donner ma part à l'autre voisin, bon, alors aujourd'hui, on s'entend bien, mais demain, il va de nouveau s'énerver avec moi, il va prononcer un autre néder, il va me l'interdire de nouveau, et après, on va devoir chercher encore quelqu'un d'autre. Du coup, on a trouvé une solution très simple. Essaye de trouver la personne la plus noble, qui ne s'énerve pas avec toi, qui ne va pas te l'interdire, qui est la plus fiable. En l'occurrence, pas comme à notre époque, le Premier ministre, ouais, le président, il est quelqu'un de plus honnête, le plus noble, qui fait propre au possible. Et d'accord, avec toute la classe, donc tu donnes ta part à lui, comme ça au moins lui, il ne te fera pas de coup de t'interdire ce qui t'appartient, ce qui lui appartient. Ok? Donc en fait, c'est ça l'histoire. Quand marqué va à côté, frère le colonel, si en fait on apporte la solution à tous les problèmes de tout ce qui appartient à la ville, tu sais ce que tu fais? Tu as qu'à écrire que maintenant c'est le nasi qui est devenu propriétaire de ta part. Côté frère le colonel. Et en fait, on va entrer maintenant dans une marque loquette originale que.
Tout d'abord, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda me dit, écoute-moi bien, Echad kotev la nasi, vechad kotev le idiot. Si tu veux, tu peux donner au nasi, au prince, ou bien Echad kotev la idiot. Tu peux même aussi donner à n'importe quel idiot, n'importe quelle personne simple, à ton voisin si tu veux. Tu peux aussi lui donner. Si toutefois tu lui fais confiance, ce qui est aussi noble. Jusque quoi? Il y a quand même une différence fondamentale entre si tu donnes au nasi ou si tu donnes à ton voisin. Jusque chez Akotev, ma ben Kotev le nasi, le Kotev le dot. Cependant, quelle est la différence entre celui qui écrit pour le prince, pour le dirigeant, ou celui qui écrit pour un idiot, pour quelqu'un de simple? Chez Akotev le nasi, anotzerich les akot. Parce que si tu écris à Onasi, alors tu n'as même pas besoin de lui faire un maase kinyan. En fait, vous savez bien que si jamais je veux donner ma part, que j'ai dans la synagogue, à je veux vous donner ma part, vous devez faire un acte d'acquisition avec moi, je dois vous céder avec un acte d'acquisition, faire un maase kinyan. Et Rabbi Yehuda vient me dire, l'avantage qu'on a évoqué dans l'histoire là, de donner au nasi spécifiquement, c'est pour gagner, qu'on n'a même pas besoin de faire un kinyan. Comme ça, au lieu de se chercher quelqu'un qui va pouvoir faire et saisir, et... je dis, non, tu sais quoi, allez, je donne au nasi, allez, tu peux rentrer. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Tandis que Bachachami, mon quand même, ils ne sont pas d'accord, ils vont dire, non, pas du tout. Echad ze ve echad ze tzrichin lezakot. Qu'il s'agisse de celui qui donne au nasi ou que celui qui donne à son voisin ou à un autre, une tierce personne, dans tous les cas de figure, tzrichin lezakot, il faut faire un maase kinyan. On ne peut pas le fuir, ce maase kinyan. Alors pourquoi est-ce que tu me parles du nasi? L'odibo ben nasi et la behove. Ils ont juste évoqué le nasi parce que c'est comme ça que les gens ils avaient l'habitude de faire, comme ce qu'on a expliqué qu'en réalité, on gagne de donner au nasi, comme ça, il ne nous fera pas une entourloupe à nous réinterdire la chose. Donc techniquement, en fait, on aurait pu trouver encore au moins 1000 personnes comme ça, fiables et nobles et honnêtes. Mais si déjà, alors, on a pris directement le cas du nasi, et tout le monde avait l'usage de donner au nasi, comme ça, ça résout le problème. D'accord? Fin de la Mishnah avec maintenant un nouveau cas, Rabbi Yehuda Omer, « En anshe galil tzrichin lichtov shekvar katvu avotehem al yedehem » Vient Rabbi Yehuda et me dit une chose importante, il me dit, tu sais, en Galilée, dans le nord du pays, lorsqu'une personne interdit à son ami de profiter de lui, Becherem, ils n'ont même pas besoin de donner leur part au Nassi ou à qui que ce soit, parce que ceux qui habitent dans le Galil, par exemple, je ne sais pas, moi de Veria, j'imagine que ça fait partie du Galil, bien sûr, et bien figure-toi que quelqu'un de Teveria, quelqu'un de Tzfat, il n'a pas la possibilité d'interdire sa part de la synagogue à son voisin de Tzfat. Pour quelle raison? Shekvar katvu avotehem aliedehem. Parce que leurs ancêtres ont déjà écrit à cause d'eux, pour eux, en deux mots en fait. Depuis les ancêtres qui habitaient déjà, qui ont construit Tzfat et qui ont construit Tzipori et Tveria et toutes les villes du nord, toute la Galilée, apparemment c'était des gens chauds. D'ailleurs on dit qu'il y a beaucoup de Marocains qui habitent dans le nord, apparemment c'était déjà à l'époque aussi c'était comme ça. Ils avaient le sang bien chaud, ils étaient très sympathiques quand ils sont joyeux, mais très fâchés quand ils s'énervent. Ils se prononçaient des Nédarim à tout va. Et donc du coup sans arrêt, ils se rentraient dedans, et tu t'interdis, et tu profiteras plus de moi et tout ça. Lorsque les sages du Galil ont remarqué que c'était la situation du peuple avec des sangs chauds qui s'interdisent tout comme ça, ils ont dit écoute, moi, on va faire quelque chose. On va faire que maintenant tout ce qui appartient dans la ville, ça appartient plus à la ville, ça appartient au peuple entier. Ils ont fait un acte d'acquisition de tous les biens, ils les ont transmis, que ça appartient maintenant à tout le peuple d'Israël, ça appartient plus aux habitants spécifiques de la ville. Ils ont supprimé, comme on a dit, j'ai bien expliqué, ils ont supprimé le principe de la propriété là-bas pour que ça appartienne à tout le peuple d'Israël, et puisque ça appartient maintenant à tout le peuple, donc il n'y a plus du tout de propriétaire, comme ça ils vont plus l'interdire. De ce fait, en Galilée, dans le Galilée, celui qui interdit un kherem, c'est bien à son prochain, son ami il a le droit de continuer à rentrer à la synagogue, à rentrer au merchatz, et à faire tout ce qu'il veut, parce que ça appartient pas aux habitants du Galilée, ça appartient à tout le peuple, ou ça appartient à plus personne, comme on expliquait. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha kol tov, c'est là.